Les titres à présent de votre journal. Sophie Pétronin, otage depuis 4 ans au Mali, a été libérée. Elle était retenue dans la région du Sahel par un groupe armé islamiste lié à Al-Qaïda. Son retour en France est prévu pour demain. Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, était hier en visite à l'université de Bordeaux. L'occasion de découvrir les travaux des chercheurs de la région et particulièrement les travaux sur la lutte contre la Covid-19. Une opération exceptionnelle, ça s'est passé sur la place de Mésange, c'était dans les Landes. 80 obus ont été détruits hier, des obus provenant de la Seconde Guerre mondiale et cachés sous le sable depuis plus de 70 ans. Sophie Pétronin, dernière otage française, vient d'être libérée. Cette humanitaire originaire de Bordeaux avait été enlevée le 24 décembre 2016 au Mali, dans la région du Sahel, par des groupes armés liés à Al-Qaïda. Elle y dirigeait une organisation humanitaire auprès des orphelins de cette région du Mali. Et puis interrogée par des journalistes, eh bien, elle a déclaré à l'ambassade de France de Bamako qu'elle n'avait aucune colère suite à cet otage qui a duré 4 ans. Les réactions se sont fait vives sur Twitter, notamment avec le maire de Bordeaux qui a réagi et a salué l'action humanitaire de l'ex-otage. Et puis, quant à Alain Rousset, eh bien, le président de la région a parlé d'un soulagement et d'une joie immense. Voilà, puis elle sera accueillie à son retour en France par Emmanuel Macron. Ce sera du coup demain. Les bars continueront-ils d'être fermés à 22h? De même pour les salles des sports. La réponse à cette question, ce sera aujourd'hui avec la prise de parole de la préfète de la Nouvelle-Aquitaine lors d'un point presse. Elle va s'exprimer sur le maintien ou non des mesures prises le 25 septembre dernier. Et si Olivier Véran, le ministre de la Santé, a souligné du mieux pour Bordeaux et le reste de la Gironde, reste à connaître la traduction sur le terrain de ces mesures préfectorales. Ce sera à suivre en direct à 15h sur notre antenne. Les chercheurs de l'Université de Bordeaux ont largement participé à la lutte contre le Covid-19. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, était en visite, c'était hier après-midi à Bordeaux, pour découvrir les travaux sur ce virus. Et à cette occasion, elle a rappelé l'importance du budget de 25 milliards d'euros alloués par le gouvernement à la recherche sur les 10 prochaines années. On l'écoute, elle était au micro de Bénédicte Dohain. Les choix qui ont été faits depuis 2000 ont toujours été des choix qui consistaient à dire que la recherche était importante et néanmoins à ne pas financer la recherche. Le choix qu'a fait ce gouvernement, c'est de dire la recherche est importante et d'ailleurs, malgré la crise, malgré les besoins immenses qui sont exprimés par énormément de secteurs, eh bien, il y a 100 milliards d'euros pour le plan de relance et il y a 25 milliards d'euros pour la recherche. Et je crois que ça, c'est un message vraiment de confiance dans l'avenir. Si nous voulons construire notre avenir, si nous voulons retrouver de la souveraineté, qu'elle soit économique, qu'elle soit industrielle, nous devons nous appuyer sur des innovations qui sortent de la recherche faite en amont dans nos laboratoires de recherche. Voilà, et un budget qui reste cependant insuffisant aux yeux du président de l'Université de Bordeaux. Ça ne représente pas assez par rapport à ce que peut-être financent d'autres pays européens, mais ça représente beaucoup. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas investi 25 milliards d'euros dans la recherche en France. Je pense qu'au cours de cette épidémie, en tout cas dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a eu une forme d'élan, de dynamique, avec une forme de complémentarité entre les établissements, avec le conseil régional, avec les organismes de recherche. Et ça, c'est un élan collectif qu'il faut souligner. Et je pense qu'il y a de la recherche d'excellent niveau dans les universités. Ça peut répondre à des problématiques comme aujourd'hui celle du Covid, mais demain celle du changement climatique, du réchauffement ou d'autres problématiques de santé.
Un plan de relance à présent de la région Nouvelle-Aquitaine, un plan de 5 millions d'euros. Objectif renforcer le soutien à la filière viticole régionale. Ce plan comprendra deux volets, 4 millions pour des aides à la commercialisation des vins sous certification environnementale et 1 million d'euros pour consolider la structuration durable de la filière. La plage de Messanges dans les Landes, théâtre d'une opération de déminage. C'était hier après-midi. Les démineurs ont fait une découverte d'envergure. 80 obus de la Seconde Guerre mondiale ont été détruits par le service sur place de la sécurité civile. On écoute. Nous sommes intervenus une première fois en début de semaine dernière. Et à cette occasion-là, on s'est aperçu qu'il y avait évidemment une fouille dans laquelle avait été remisée de nombreux obus qui datent évidemment de la présence des Allemands sur le littoral. Le total se porte à 80 obus. En répartis en 4 fourneaux, nous avons donc détruit ce matin 80 obus, leur charge propulsive également, par une opération de brûlage que nous avions anticipée. S'agissant d'obus tchèques, d'origine tchèque, d'un calibre de 7,65 cm, et qui évidemment sont le fruit de l'armement par les Allemands du mur de l'Atlantique. Et durant tout le mois d'octobre, l'opération Octobre Rose est l'occasion de rappeler l'importance de ce dépistage préconisé dès 50 ans. Une femme sur deux ne se fait pas dépister contre le cancer du sein en Gironde, un chiffre alarmant. Effectivement, avec l'épidémie de Covid là, qu'on connaît depuis le mois de mars déjà, effectivement, toutes les mammographies qui étaient programmées ont été annulées ou reportées. Au niveau de la lutte contre le cancer, effectivement, on s'attend malheureusement à ce qu'il y ait une recrudescence des cas de cancer du sein un peu tardive, puisqu'effectivement, toutes les femmes qui auront dû reporter leur mammographie qui aurait dû se faire là en début d'année vont avoir un retard de diagnostic et donc ça peut constituer une perte de chance pour certaines femmes puisque la prise en charge du coup va être retardée d'autant. Oui, il faut vraiment inviter les femmes à prendre rendez-vous auprès de leur radiologue agréé. Et à noter que la course du ruban rose n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Mais pour cette 16e édition, une version virtuelle a été mise en place. Vous pourrez donc courir pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Tous les renseignements sont sur challengeduruban-rose.fr. Échec lors de la tentative de concertation, c'était hier entre les dirigeants des Girondins de Bordeaux et les Ultras. Une réunion a été organisée à la mairie pour tenter d'apaiser les tensions entre les supporters et le club. Le président des Girondins de Bordeaux a commenté brièvement ce nouvel incident. Je constate que malgré les intentions qui sont les nôtres, de pouvoir, j'allais dire initier, mais ou poursuivre, ou en tout cas réessayer, réinstaurer une forme de dialogue, une fange des supporters, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient représentés, a choisi de quitter la pièce parce qu'ils n'acceptaient pas la présence d'un des collaborateurs du club. Bon, je ne ferai pas de commentaires parce que je sais trop ce que ces commentaires entraîneront derrière, donc je ne fais que le constat. Mais je ne désespère pas. Peut-être qu'on arrivera à un moment. En son temps, le Bayern a été confronté à le même type de problématique. Bon, aujourd'hui, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre avec le temps. Donc on va conclure en disant qu'on va laisser du temps au temps. Voilà, et attention ce soir et ce week-end, si vous prenez la route, des perturbations sont attendues sur la rocade nord de Bordeaux. La raison, la fin des travaux de la mise à 2x3 voies. Fermeture dès ce soir, 21h de la rocade extérieure. Et ce sera entre les échangeurs 4, la Barre et 5, Bruges. Et ceci jusqu'au lundi 12 octobre à 6h du matin. Et puis attention également à noter ce samedi dès 22h, la fermeture du pont d'Aquitaine dans le sens extérieur. Ce sera jusqu'à dimanche 18h. Une déviation sera mise en place par le pont François Mitterrand. Voilà, restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.